minuit. Bernard Cazeneuve était sur ce plateau hier soir pour commenter le projet de budget de l'État. C'était au tour de celui de la sécurité sociale aujourd'hui d'être présenté. Et il est grevé de déficits croissants. Pour les endiguer, Marisol Touraine propose une mesure concrète. Plus de boîtes de médicaments, mais des pilules à l'unité. Sophie Guillaumin, Xavier Roman. Des médicaments inutilisés, rapportés par des clients. Cette pharmacie en remplit deux grands cartons chaque jour. Un gâchis auquel la ministre de la Santé aimerait mettre fin. Elle propose d'expérimenter la vente des médicaments, non plus par boîte, mais à l'unité. Le fractionnement, ça faciliterait déjà, quand on a des traitements courts comme ça, qu'il n'y ait pas d'abus, et que les gens le prennent vraiment la durée prescrite par le médecin, et qu'ils ne dépassent pas, et surtout qu'ils ne le réutilisent pas après. La vente à l'unité se pratique déjà dans d'autres pays, comme ici aux Pays-Bas. En France, sa mise en place pose de nombreuses questions. Retirer un comprimé de sa boîte, c'est modifier tout un système. Si on déconditionne un médicament, qui est responsable de ce médicament? Quelle est la traçabilité de ce médicament? Est-ce le pharmacien responsable en laboratoire? Est-ce le pharmacien d'officine? Donc ça va créer le problème de la chaîne en fait, de la responsabilisation autour du médicament. Les pharmaciens, justement, sont partagés. Pour eux, quand il reste des comprimés dans une boîte, c'est parfois que le traitement a été mal prescrit ou mal suivi. Les médicaments antibiotiques ont des conditionnements qui sont adaptés à la durée du traitement. Parfois 1, parfois 5 comprimés, parfois 10 comprimés, parfois 7 comprimés. Donc si le médecin respecte ce qui a été prévu avec le laboratoire et l'autorisation de mise sur le marché qui prévoit la durée de traitement, il n'y a pas de gaspillage. On donne pile la quantité de comprimés. L'expérimentation ne devrait concerner pour commencer que certains antibiotiques dans quelques régions. Et le nombre exact de médicaments correspondant au traitement, Patricia, ça existe déjà ailleurs? Tout à fait, en Grande-Bretagne, où on rejoint tout de suite Loïc de la Mornay, notre correspondant. Bonsoir Loïc, si on va à la pharmacie chez vous, il faut emmener son pilulier avec soi. Exactement Patricia, son pilulier, parce que la règle est très simple. Si vous avez par exemple 5 jours de traitement, eh bien votre pharmacien va vous donner 5 jours exactement, pas 6 ou pas 7. Si vous avez droit à 25 pilules, il va vous en donner 25 et pas 30. C'est quelque chose d'extrêmement précis. Alors, il faut voir aussi qu'on n'apporte pas forcément son pilulier parce que le pharmacien lui-même va remplir une autre petite boîte en carton, c'est-à-dire qu'il va découper la boîte d'origine avec, mettons par exemple, 100 pilules. Vous avez droit à 25, eh bien il va enlever 3 quarts de la boîte et vous mettre le quart restant dans une petite boîte en carton, il va imprimer une étiquette sur son ordinateur qui va rappeler la posologie, le type de médicament, bref, toute la traçabilité du médicament. Vous allez l'avoir sur cette petite boîte à emporter, si j'ose dire. Alors, il faut bien voir qu'ici, les patients trouvent ce système extrêmement efficace, notamment parce qu'un certain nombre de patients en Angleterre payent intégralement leurs médicaments, donc forcément, ça leur coûte moins cher. Et puis, les pharmaciens semblent très satisfaits aussi parce qu'ils disent tout simplement que ça évite un énorme gâchis financier. Merci Loïc, vous êtes en forme, vous n'avez pas besoin de votre pilulier, de vos petits médicaments. Non, 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 je n'ai même pas eu droit à un seul, donc vous voyez, non, pilulier vide. Everything is alright, thank you, bye bye, merci Loïc en direct de Londres. Êtes-vous prêt à acheter vos médicaments à l'unité? C'était la question du Grand Soir 3 et de France TV Info en partenariat avec l'internaute.com. Voici la réponse, oui pour 42,1% et non pour 42,1%, ce n'est pas une erreur. Égalité parfaite, c'est une première. Vous avez été près de 20 000 à donner votre avis.